On partage. Le live va faire, ne va pas mettre long. On se connecte, on partage, on se connecte, on partage. Et tout. Son. Et tout, son. Là, on ne parle pas de la gestion de la Fecafoot. Il faut qu'on soit clair. Là, on ne parle pas de la gestion de la Fecafoot. Il faut qu'on soit clair. Partagez. Partagez le cul de la mère de la personne qui a appuyé simple le cul de ta mère. Tu as compris, un idiot. Envoie encore un truc, c'est imbécile. Eto, son, il faut venir. Il faut venir. Il faut venir. Deux mille vingt et un, la CAN du Cameroun. Coupe du monde. Maintenant, c'est la CAN. On partage, on partage, on partage, on partage, on partage, on partage, on partage. Parce qu'il faut qu'on vous josse vos vérités. On voit comment Eto, depuis que tu as fait Cafou, le ventre l'a poussé là-bas devant. Tu es venu nous dire que tu vas redresser le football camerounais. On va commencer par là. Tu nous as dit combien Wanon Ospa a donné pour la CAN. Premièrement. Tu nous as dit les primes de match pour la CAN que les sponsors ont donné. Tu ne nous dis rien. Le père de Choupo-Moting est monté ici pour se plaindre qu'on n'a pas pris Choupo-Moting parce que le Choco. Et c'est vrai, dans l'équipe nationale, si tu ne donnes pas le Choco, on ne te tient pas. Tu ne donnes pas le Choco, on ne te prend pas. Maintenant, on va parler peu. On va être précis. Et toi, le football camerounais, tu as géré là-bas. Mais en matière de capacité internationale, tu es nul. Et toi, tu es nul à un niveau que c'est impressionnant. Le ventre a poussé là-bas, les oreilles sont sorties. Nous, on est fatigué des défaites. Hein? Nous, on est fatigué des défaites. Toi, bon, on va commencer sur le cas de Sombana. Je veux bien comprendre qu'il a eu l'AVC. Je veux bien comprendre que son a eu l'AVC. On prend l'équipe du Cameroun. On télécharge sur quelqu'un qui a eu l'AVC. Et on attend quel genre de résultat. On attend quel genre de résultat. Son bain nous a montré son incompétence tactique. Prenez l'équipe nationale, mettez au doigt comme capitaine. Le football de 1960 de Sombana s'est révolu aujourd'hui. Je dis, le football de 1960 de Sombana s'est révolu aujourd'hui. Et toi, je ne sais pas si tu ignores ce Sombana, on ne sait pas. Où vous couchez ensemble là-bas, on ne sait pas. On ne sait pas. Oh, il faut le temps pour former une équipe. Contre la Guinée, on va former quoi? Guinée. Il y a Guinée, Naïbé, bébé. Il y a Guinée. Guinée. Guinée, Naïbé, bébé. C'est incroyable. Il vous faut 1000 ans. Partagez le live. Parce que j'ai l'impression que peut-être que faut partager le live là. C'est pas possible. C'est incroyable ça. Vous vendez les matchs, what is mec? Si vous vendez les matchs, il faut nous dire. Comme ça, ça a l'air que non. Et toi, miser le cachet de un contre un. Comme ça, comment vous allez nous dire que vous nous donnez tout ce que vous êtes arrangé. L'incompétence de son depuis ça. C'est-à-dire que depuis qu'on a nommé son, l'incompétence de l'équipe nationale, on n'en parle plus. Prenez l'équipe, donnez ça à quelqu'un qui connaît le football. Donnez ça à quelqu'un qui connaît le football. Mboma a fait l'école pour être coach. Mboma peut être coach au Cameroun. Je ne sais pas.
Si vous voulez, mettez. Ça veut dire qu'à un moment donné, je dis bien, quand on a eu l'AVC, quand on sort de l'AVC, il y a certaines facultés qu'on ne peut pas récupérer. Ou bien Eto a mis son là parce que c'est le mougou parfait. C'est le mougou parfait. C'est quel genre d'équipe nationale? Ou le coach est comme la Serbie, il dit qu'il va m'enlever, ça dit que les joueurs font ce qu'ils veulent. Ça dit que Andro Onana nous dit, ça dit que depuis le mondial, Andro Onana nous a dit que Sombana c'est l'un des entraîneurs les plus nuls de l'équipe nationale. Qui ne connaît pas ça? Vous pensez que Andro, ça dit que qu'est-ce que ça dit que Andro Onana, quand il regarde les gens qui le coachent, la question que je vous pose, on vient de faire un match nul. Est-ce qu'on avait le droit? Un match comme ça? Tu as laissé Choupo-Moting. Le père de Choupo-Moting est venu se plaindre. Vincent Aboubakar a fait semblant de se blesser. Parce que quand ils ont regardé l'équipe, ils ont dit, bête, on ne joue pas. Quand ils ont regardé l'équipe de Choco, Webo est plus nul. Webo est nul jusqu'à... Pardon, que Webo est là-bas, Webo c'est quelqu'un là. Ils ont parlé des codes pour l'équipe nationale. Je ne veux pas les gars comme les Webo connaissent quoi dans le football. La carrière de Webo a été nulle. Lui-même entraîneur, nul. On parle des grands entraîneurs, vous parlez de Webo, mais c'est quelqu'un. On vous parle de Mboma. Vous parlez de quoi? Il y a des entraîneurs au Cameroun plus bons que Webo, mille fois. Imbécile. On vous a dit que c'est un Mbappé qui va entraîner l'équipe nationale. Ils sont en train de critiquer le vrai football. Hein. Vos conneries que vous voulez que les Mbappé deviennent coach de l'équipe nationale. Je ne suis pas dedans. Hein. On prend l'équipe là, on donne ça à Mboma. Il y a les cas là. Donner ça aux vraies personnes. Et toi, c'est comment avec toi? Tu es entré. Et toi, depuis qu'on a dit, personne ne connaît le contrat de Wanisberg par rapport au Cameroun. Personne. On ne sait pas ce que Wanisberg a donné comme argent au Cameroun. On ne sait rien. On ne connaît pas ce que les joueurs font du jeu. Aujourd'hui, ça sort déjà que le père de Choupo-Moting, c'est une question d'argent. On n'a pas pris Choupo-Moting parce qu'ils ne veulent pas donner l'argent. Tous les joueurs de l'équipe nationale qu'on a pris, on prélève, tout le monde sait qu'on prélève 30% de leur argent à l'équipe nationale. Qui ne connaît pas ça? Qui ne connaît pas ça? On a laissé Kameni pourquoi? On a laissé Kameni pourquoi? Vous savez où on a laissé Kameni la dernière fois? Parce que Kameni a refusé de donner les 30%. Vous parlez de quoi? Tous les joueurs de l'équipe nationale qu'on sélectionne doivent payer la caution de 30%. On ne te prend pas. Les 30% entrent dans la poche du coach. C'est quel genre d'équipe nationale, ça? Vous-même, quand vous voyez les joueurs, vous avez l'impression que les vrais joueurs sont dans les championnats ici. Quand on veut bâtir une équipe, on prend les gars de 17 ans et on les engage. Et on les coach. On prend les gars de 17 ans et on les amène jusqu'à... À partir de 22 ans, l'équipe va être opérationnelle. Hein? Et toi, depuis que tu as l'équipe nationale, tu as pris le poids. Parce que l'argent de Wanisbeck, c'est dans ta poche. L'argent de Honor Sport, c'est dans ta poche. Maintenant, tu es venu à l'équipe nationale. Si tu es venu te faire riche, il faut nous dire. Parce qu'on vous dit, vous n'êtes pas à l'abri d'un coup de tête quelque part. Vous n'êtes pas à l'abri d'une gifle qui va passer quelque part. Toi qui envoies les têtes de mort là, je vais te faire. Je vais te faire. Toi qui envoies les têtes de mort. Attends, je vais te régler le cul. C'est-à-dire que le cul de ta mère, le cul de tous les membres de ta famille. Attends, je prends ton identité. J'espère que tu n'as pas les photos de ta famille dans le truc. C'est bande de dieux sorciers. Attendez. Ouais, je vais te gérer tout de suite. Ne t'inquiète même pas. Bande de salopards. Hein? Un jour d'escrocs qu'on a mis à la tête de l'équipe nationale. Je ne parle pas de l'Afrique. Il faut qu'on soit clair. Une bande d'escrocs qu'on a mis à la tête de l'équipe nationale. Son âge, quelle tactique son va faire, nous, on ne va pas connaître. Et que même ma grand-mère qui est au village, quand le match commence, elle dit seulement que qui a le coach, elle dit son, elle dit mais quel homme. Quand on dit seulement que quelqu'un c'est son mana qui est coach, les gars partent au champ. Les gars partent au champ. La Guinée. C'est-à-dire que là, on a l'entraîneur le plus nul que l'équipe nationale ait jamais connu. Sombana, le plus nul de tous les entraîneurs, conditionné par son frère Samuel Eto'o. Lui est Samuel Eto'o, le dieu le plus nul de l'équipe nationale. Lui, c'est seulement là pour encaisser l'argent. Ils l'ont pris un mongol, ils l'ont posé là. Non, coach l'équipe, devant quoi là-bas, coach. Quand on voit un jeune entraîneur comme... Vous pensez qu'on n'en est pas venu pourquoi? Vous pensez qu'on n'en est pas là pourquoi? On ne se prend pas la tête, on doit connaître le résultat. On doit connaître le résultat, dites-moi un peu. Quels sont les critères qu'on fait à ce que sont... Son manager soit sélectionné à l'équipe nationale, quels sont les critères?
Dites-moi. Quels sont les critères de sélection de Sombanac? Commençons, parlons peu. Je vous rappelle que le CV de Sombanac l'interdit même l'équipe nationale. Parce que l'équipe nationale du Cameroun, je parle de l'équipe nationale du Cameroun. Nous savons que Rigobert Sombanac a été victime d'un AVC, qui a été transféré directement en France. Quand on prend, si vous voulez prendre Sombanac pour donner à Sombanac l'argent, payez-le directement, enlevez de l'équipe nationale. Enlevez Sombanac de l'équipe nationale, tout simplement. Ne venez pas nous emmerder, hein? Parce qu'un gros, vous voulez pour le qui? Partagez le live, il n'y a que 60 partages, on ne peut pas être plus de 2000, il n'y a que 60 partages. Partagez-moi le live là, partagez. Bombardez-moi les lives là, partagez, on ne peut pas être plus de moins de 60, imbécile. Partagez-moi le live là, par contre, bande de Dio. Partagez le live là-bas. On nous gagne là. Il faut vous méfier. Il dit partagez le live là. 2000 personnes, il n'y a que 60 partages, le cul ne vaut même vous tous. Imbécile. Salopard, il prend l'équipe nationale, il dépose dans les mains de. Il prend l'équipe nationale, il dépose entre les mains d'un ignorant. Hein, d'un gars qui n'a aucune culture, rien. Go. Capitaine Courage, c'était en 1930. Capitaine Courage, c'était en 1930. Aujourd'hui, Capitaine Courage, là, c'est mort. Ça coule même comme les gens disent que c'est coulé. Capitaine Courage, c'est coulé. Tu as compris, non? Capitaine Courage, c'est coulé. Sortez-le de là. Encore, il dit que le cadavre ne peut pas. Il dit que c'est un cadavre. Il dit que techniquement parlant, Sombanac est un cadavre ambulant. Il n'y a même, on ne peut même pas discuter avec lui. Là-bas, il n'y a même pas photo. Ça ne sert à rien de créer même. C'est-à-dire que quelqu'un va s'élever comme ça, va dire que oh Sombanac, c'est un coach. La Guinée. On va venir nous parler que oh, non, Son a fait quoi? Voilà pourquoi les Choupo-Moting ne se prennent même pas la tête. Les Benzan Aboubakar sont un bolet de trucs là, il a baissé. Il va parler qui va. C'est-à-dire que quand tu vois même Zambouanguissa au milieu du terrain, son banan va dire quoi à Zambouanguissa? Que Zambouanguissa va rester comme ça. Il va dire que non, son banan ne pas. Il va lui dire quoi? Il y a les bons coachs au Cameroun. Il y a les bons coachs au Cameroun. Il y a les coachs qui ont fini l'école de coach. Mais parce que son et tous sont dans un business d'escroquerie de l'équipe nationale, qu'ils sont là. 22 joueurs, on prend 30% de 22 joueurs. On suppose que, on a parlé de 30 millions la dernière fois. On suppose qu'à la fin de la carte, chaque joueur de l'équipe nationale aura 50 millions. 30% de 50 millions, ça fait quoi? Faites-moi un peu le calcul, vous mettez là. 30% de 50 millions, ça fait quoi? Faites-moi un peu le calcul. 30% de 50 millions, ça fait combien? Parlons bien. Calculez-moi ça, 30% de 50 millions. Parce que là, on va commencer à vous dire vos vérités. On va vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. Attends, je prends le cas. Je prends la calculatrice. 30% de 50 millions. Vous voyez, il y a 145 partages. On continue à partager. Il n'y a que 145 partages. On continue à partager. On va faire un calcul simple. Il a écrit combien? 15 millions. 15 millions fois 22. 15 millions fois 10, ça fait 150 millions. On rajoute encore 10, 300 millions. Ça veut dire que son banan se met 300 millions dans la poche. Entre lui et ton fils. Dans la poche, pam, c'est entré dans leur poche. Même si le Cameroun sort demain, ils s'en foutent complètement. Et toi qui est venu nous dire ici que monsieur propre. On a Oxford a payé combien pour cette canne? De fois, vous les journalistes bêtes du Cameroun, là. Il y a des questions que vous ne savez pas poser et tout. Il y a certaines questions que vous ne savez pas, vous pas poser et tout. Et toi, a vendu l'équipe nationale à combien? Vous parlez de quoi? À combien? On demande la radiation de Sombanac. Sombanac doit être interdit. C'est-à-dire que quand l'équipe nationale est contre, on interdit Sombanac à l'équipe nationale. Le fiasco de l'équipe nationale, c'est Sombanac. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris que le fiasco de l'équipe nationale, c'est Sombanac. On vous dit ça en anglais. Eh, hey, toi, tu ne vois pas. C'est normal. C'est parce que Sombanac fait ton affaire et tout. Et toi, Sombanac fait ton affaire. Voilà pourquoi Sombanac est toujours là-bas. Toi-même, tu es convaincu que Sombanac est nul. Aïe, nul. Mouloumba, t'avais nul qui est Sombanac. Voilà pourquoi tu le laisses là.
Ah, il me dit que go, Amer, Kamer, hein, son banane basa, vos mamans, imbécile. Je suis Camerounais. Oh, ne parle pas comme ça de toi et toi, basa, imbécile. Je suis Camerounais. Vous n'allez pas venir qu'une équipe comme la Guinée. Guinée. Que même Dynamo de Douala tape de la Guinée. Même Dynamo de Douala. Vous prenez vos enfants, vous versez à l'équipe nationale des ratés. Quand tu vas voir un autre, oh, c'est le cousin de Tchatobil. Tu vas voir l'autre, non, c'est le petit neveu de Kala. Tu vas voir l'autre, non, c'est le troisième petit frère du cousin de Son. Tu vas voir l'autre, non, c'est le fils d'Eto. Tu vas voir l'autre, non, c'est le tête. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'équipe nationale parce que par rapport à un lien familial. Voilà. Des vrais joueurs sont là. Allez négocier même, négocier, mettez l'argent au sol. On vous donne le petit frère de Kim Mbappé. On vous donne le petit frère de Mbappé. Il y a les joueurs de l'équipe nationale comme ça, en équipe de France, espoir plein. Vous les avez proposé quoi? Qu'est-ce que vous avez proposé à ces joueurs? Non. Aujourd'hui, maintenant, oui. Allô, oui. Non, c'est le neveu d'Abbé Gapano, il faut le prendre. Zenga, il est dans la boîte. Allô, oui. C'est le arrière petit cousin de Sombana, le lien, c'est pas ça, mais oui, ok. Non, c'est le neveu de Tôt, ne pas le petit frère du cousin de Tôt. Ça veut dire que l'équipe nationale est devenue l'équipe nationale, que l'équipe nationale des ramifications. Pourquoi tu te prends dans l'équipe nationale aujourd'hui? Il faudrait que ton père ou ton arrière-grand-père joue dans l'équipe nationale. On regarde une bande de Mongols comme ça. Quand tu vois la tête d'un intéressant, un ancien joueur qui était un fiasco total. Voilà les gens qu'on va prendre, on va venir lancer dans l'équipe. De tous les joueurs que vous avez vus, à part Zambouanguissa, qui a même la rage là? Aucun. Qui a même la rage là à l'intérieur? Aucun. Les joueurs qui viennent sous-payer. On avait déjà Charles le Focop de Bassoro. Tout le monde savait que non, le Focop de Bassoro là, c'était tout. Donc quand ils ont créé ça, ils ont été en Bassoro, ils ont dit en Bassoro que non, on t'a déjà trop vu, on ne peut plus se parler, on t'a déjà trop pris. On va prendre quelqu'un d'autre. Vous venez, vous prenez l'équipe nationale du Cameroun, vous vous aidez, vous faites comme vous voulez, vous ne voulez pas qu'on vous parle. Vous ne voulez pas qu'on vous parle? Amel Cameroun nous a tapé, mouf, tu fais nul contre la Guinée, tu penses ça que c'est une victoire. Tu fais nul contre la Guinée, tu prends ça pour une victoire. Mais on dit, John Boubou, Rana, vous dites, vous vous méfiez, hein? Tu fais nul contre la Guinée, tu prends ça pour une victoire. Et comment un bootman comme ça là? Et comment un bootman comme ça là? Les gens vont commencer à se dire que non. Oh, comme vous voyez là, c'est comme si c'est comme ça. On va commencer à appeler. Vous pouvez. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit clair dans ce que nous voulons pour l'équipe nationale. Eto doit virer son bana le plus rapidement possible. Eto doit virer son bana le plus rapidement possible avec effet immédiat. Ne tournons pas autour du pot. Les histoires de que, oh, il y a un tel. Non. Eto doit virer son bana avec effet immédiat. Parce que le niveau de football que son bana nous montre là, Seigneur, même les vendeurs de noix palmistes, peuvent coacher l'équipe nationale. On a Mbouma. Mbouma a un diplôme. Mbouma a un bon diplôme pour coacher l'équipe nationale. Ne nous ramener, je vois l'intelligent du Congo, Webo, une merde comme Webo. Webo peut coacher l'équipe nationale. Webo a d'abord joué quoi, on a vu. Je vois certains salopards venir nous dire que Webo a joué quoi, on a vu. On parle de l'équipe nationale du Cameroun. On ne parle pas. On ne parle pas continue à parler. On n'a que 218 partages. Je vois que le nombre de partages n'est pas encore assuré. On n'a que 200 partages. Vous mettez le maximum de partages. J'ai dit le maximum de partages. Vous nous parlez de quoi? Quelqu'un vient faire match contre la Guinée. Vous prenez ça pour quoi? Quelqu'un vient. Tu dis que quoi? Que Webo, mon frère, il va te dire quelque chose. Écoute-moi bien. Je préfère Sombana là que Webo. Tu as compris avec quoi? Je préfère Sombana que Webo. Tu as compris? Parce que si Sombana est nul, Webo est archi nul. Si Sombana est nul, Webo est archi nul. Vous avez compris avec quoi? Parce que quand vous pensez que quand vous pensez que non, c'est l'association familiale.
Vous pensez que c'est l'association familiale que non. Comme ça, on a dit que son mari ne mérite pas l'équipe nationale. Vous avez appris votre personne. Non. On a des gens comme les Mabouan qui sont là. On a des gens comme les Mabouan qui sont là. On a les Oumambié qui sont là. Il y a beaucoup de joueurs de l'équipe nationale qui sont là. Vous n'avez pas compris quoi. Donc, parce qu'on va venir critiquer son banan, ça veut dire que ça va vous, ça sera votre frère. Il faut faire attention. Hein. Faut faire attention. Il faut faire très, très attention. Vous parlez de quoi? Hein? Vous parlez de quoi? Attendez. Je vous ai dit que ça ne met pas long, non? Vous allez lire-le. Vous allez lire-le. Quelle imbécilité. C'est incroyable ça. Attendez, j'arrive, je bois l'eau, je reviens. Je bois l'eau, je reviens. Vous faites ça dur.